Good morning, Aleïda Nelesutra, aujourd'hui le Nishmat Avram Mordechai Ben Yitzhak Befani et Dvora Batester. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Maseret Yevamot Perek Dalet Mishnah Tet. Shomeret Yavam Shikidesh Achiv et Achota. Mishum Rabbi Yehuda Ben Beter Amru, Omrim Lohamten Achia Sachicha Agadol Maase. Chalatz la Achiv O Knasa Ichnos et Ishto. Meta Yevama Ichnos et Ishto. Meta Yevam. Nouvelle situation à présent avec, on va prendre qu'il y a trois frères, Reuven, Shimon et Lévi, et il y a deux sœurs dans l'histoire, Rachel et Léa pour le moment. Reuven était marié à Rachel, uniquement. Et ensuite, Reuven est décédé sans enfant. On a maintenant Rachel qui est préposée au Iboum devant Shimon ou devant Lévi. Ce qui se passe, c'est qu'en attendant, Shimon, lui, il avait prévu de se marier avec Léa, la sœur de sa belle-sœur. Maintenant, cette Léa, elle est interdite devant Shimon, étant donné que pour le moment, elle est Achot Yevimto. Il y a une Yevama qui a proposé Yiboum, elle est considérée comme un peu sa femme. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a quand même marié, il a donné les Kiddushin à sa sœur. Alors la Mishnah me dit comme ça, Shomeret Yevam, il y avait une femme qui attendait de qu'on fasse le Yiboum, donc Rachel. Shekidesh Achiv et Achotam, il y a eu un des frères qui a fait les Kiddushin à sa sœur, à Léa. Chose qu'il ne fallait pas faire. Parce que pour le moment, Rachel, elle est préposée au Yiboum devant Shimon comme devant Lévi. C'est considéré comme un peu sa femme. Si Rachel, c'est un peu ma femme, c'est ma demi-femme, on va dire, je ne peux pas marier avec sa sœur, Léa. Mais quoi? Alors maintenant, il a quand même donné les Kiddushin. Mishum Rabbi Yehuda ben Beter Amru, au nom de Rabbi Yehuda, ils ont dit, tu sais quoi? Omrim, là, on va lui dire. Hamten achia sachicha gadol maase. On va lui dire, patiente un petit peu, le temps que ton frère va passer à l'acte. Soit, on va dire à Shimon, écoute, t'as fait quelque chose, c'était une erreur, c'est vrai, mais c'est pas encore fatal. Patiente, reste telle qu'elle pour le moment que. Elle reste juste avec des Kiddushin. Kiddushin, c'était les fiançailles de l'époque, mais ça avait un statut de femme mariée, c'était fort quand même. On expliquera ça mieux demain, on en aura besoin pour. Enfin, de la prochaine Mishnah, on aura très besoin pour mieux comprendre la prochaine Mishnah. Donc, pour le moment, il a fait les Kiddushin, il a donné la bague pour se marier, on va lui dire, tu sais quoi, Amten, attends, jusqu'à que ton autre grand frère, celui qui va faire le hiboum, il va passer à l'acte, il va faire le hiboum, parce qu'en fait, on a dit qu'il y avait Reuven et Shimon Levi, Reuven il est décédé, il n'avait pas d'enfant, là, Yevama, elle est préposée pour le moment, elle attend soit devant Shimon, soit devant Levi. Shimon, il a fait une petite bêtise, et qu'il s'est marié avec sa sœur, on va lui dire, écoute, patiente un peu, que ton frère Levi, il va passer à l'acte, il va soit faire le hiboum, soit la khalitsa de Rachel. Au moment où il va faire la khalitsa le hiboum, il va tout concentrer le lien marital chez lui. Et il va s'avérer qu'en fait, Rachel n'est plus du tout ta femme. Plus du tout. De ce fait, tu pourras continuer à te marier avec Léa et rester marié avec elle. D'accord? Ce qu'on lui dit, Amten, patiente jusqu'à que ton frère, il va passer à l'acte, il va faire le hiboum ou la khalitsa. Comme ça, c'est lui qui va maintenant prendre toute la. Parce que comme on a expliqué qu'une femme, quand elle est préposée au hiboum devant plusieurs frères, elle a un potentiel de femme devant tout le monde. Mais dès qu'il y en a un qui va concrétiser, alors maintenant tout se concentre chez lui et libère tout ce qu'il avait chez les autres. Donc devant les autres, c'était plus sa femme. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que Khalat la achiv au knasa. Ah, pour le moment, on continue dans la même histoire. Donc on t'a dit, attends jusqu'à que ton frère il passe à l'acte. Si ton frère ensuite, Khalat la achiv, il a fait la khalitsa, ou bien kanas, il a fait le hiboum, eh bien, Iknos et Ishto, il pourra enfin se marier avec sa femme. Autre situation maintenant, pendant que il y avait donc Rachel qui attendait devant Shimon ou Levi, qu'il y en a un des deux qui se bouge pour faire la mitzvah, Shimon, il a marié, il a donné les Kiddushin à Léa, alors, Meta Yevama, excusez-moi que je baille, mais je suis fatigué, mais je peux plus. Je ne peux pas faire tourner ce tour plus tard, donc je n'ai pas le choix. Meta Yevama, elle est décédée. Ce qui s'est passé, c'est que sa Yevama, elle est décédée maintenant. Pendant que Rachel, elle attendait qu'on lui fasse le hiboum, lui, il a déjà marié, il a fait les Kiddushin à Léa. Après, la Yevama, elle est décédée. Alors là, on va lui dire, tu sais quoi, ben, Iknos et Ishto, il pourra se marier aussi avec sa femme, Léa, qui l'a donné les Kiddushin, il pourra continuer le mariage. Ok? Par contre, Met Yavam, tout son espoir, c'était que finalement, il y ait Lévi, qui était le Yabam, qui va finalement marier sa sœur. Ce qui se passe, c'est que Lévi, ensuite, il est décédé. Donc maintenant, on a Shimon, qui se retrouve avec une femme qui était préposée au hiboum, d'abord, qui était en première position, et puis, donc, c'est sa demi-femme,
qu'en théorie, il attendait que son frère passe à l'acte, que son frère, il ne peut plus passer à l'acte, il est décédé. Donc maintenant, ça lui incombe à lui. Et en contrepartie, il a aussi marié, il a déjà donné les kiddushin à Léa. Il est bloqué maintenant. Il a deux femmes qui sont aptes, chacune initialement, à être sa femme, mais aucune ne peut l'être parce que chacune, elle est aussi la sœur de sa femme. La Yevama a un statut de demi-femme, l'autre a un statut de vraie femme, mais qui arrive en deuxième position. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Met Yavam, au moment où, s'il est décédé, le Yavam, donc Lévi, donc Shimon se retrouve avec maintenant ces deux femmes devant lui, eh bien, il n'y a plus rien à faire. Yotzet Ishto Beget, Veshatachiv Bechalisa. Il devra donner un get à sa femme. Ouais, il devra donner le get à sa femme, à qui il a donné les Kiddushin, parce que maintenant il ne peut plus se marier avec elle, étant donné que c'est la sœur de sa Chalitza. Veshatachiv Bechalisa, il devra aussi faire la Chalitza à la Yevama, en fait, il devrait faire la Chalitza aussi, parce que maintenant ça lui incombe à lui. Ok? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.